Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Paris, ville lumière, une ville où la jeune Lola, 12 ans, a été assassinée après avoir été violée, égorgée. Paris, ville lumière. En tout cas pour Lola, c'est la ville enfer. On est passé très vite en quelques années des lumières aux ténèbres. Et la mort de Lola n'est pas un fait divers. Si c'était un fait divers, on n'en parlerait pas. En tout cas, pas dans ce canal où on ne fait pas de sensationnalisme. La mort de Lola est un crime politique. Et je vais essayer de vous l'expliquer dans cette vidéo en plusieurs points, en trois points. D'abord, Lola est morte à cause, je dis bien à cause, des politiques menées par l'establishment français. Elle est morte à cause de la préfecture, de la police, de la justice qui n'ont pas appliqué les ordonnances d'éloignement du territoire, des mises en cause, parce qu'elle a été tuée par quatre, par une, deux, trois, quatre étrangers, je ne sais plus, on verra avec l'enquête. Tous les mises en cause sont des étrangers qui n'auraient pas dû rentrer en France, ils sont en situation illégale, d'abord. Deuxièmement, ces étrangers ont été amenés en France dans le cadre d'une politique d'immigration de masse, de portes ouvertes, d'impunité donnée à l'immigration clandestine. Là-dedans, donc, j'accuse les ONG. Vous les connaissez, ils accusent ces ONG qui importent en France des clandestins qui promeuvent l'effraction. Elles forcent les frontières françaises en amenant des gens qui sont plutôt criminogènes. Pas tous, mais en grande partie. Je vous signale que 50% au moins des prisonniers en France sont d'origine musulmane. Au moins, d'accord? Parmi eux, il y a beaucoup d'illégaux. Pas seulement, il y a beaucoup d'illégaux. Donc, ces ONG-là sont coupables. Elles ont les mains tachées de sang, du sang de Lola. Évidemment, j'accuse les partis politiques, à commencer par le Parti Socialiste, qui est le parrain historique de cette immigration. J'accuse également toutes les organisations autour du socialisme qui ont interdit tout débat, toute alarme concernant l'immigration, et qui ont transformé les lucides, les lanceurs d'alerte, les gens honnêtes, en fascistes. Vous savez de qui je veux parler. J'accuse évidemment LREM, la Renaissance, qui est l'héritier du Parti Socialiste. J'accuse également les Républicains. J'accuse même l'extrême droite qui s'arrange pour ne pas gagner le pouvoir. Elle ne veut pas gouverner le pays. Du sang de Lola, une partie d'extrême droite française se nourrit. Elle boit ce sang-là pour avoir des députés à l'Assemblée nationale ou pour avoir une position comme chroniqueur à la télévision française. Voilà. Malheureusement. C'est un crime collectif, c'est un crime politique, un crime collectif. Premier point. Deuxième point, c'est un crime politique puisqu'il s'agit d'un crime de colonisation. Il s'agit d'un crime de colonisation, c'est un crime colonial. Ce n'est pas un fait divers, ce n'est pas un fait isolé. Ce serait un fait isolé, on dirait très bien, bon, ça, on va prier pour Lola et puis on attend que justice soit faite. Non, non, d'ailleurs la police a déjà les mises en cause. Non, non, on sait qu'il y a eu des milliers de Lola. Combien de Lola il y a eu en France? Combien? Des milliers, dont des dizaines de milliers. Il y en aura d'autres. Parce qu'il y a une opération aujourd'hui de colonisation de la France. Et le problème, ce n'est pas l'Algérie. Le problème, ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas la Tunisie, ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas la Tchétchénie, ce n'est pas l'Afghanistan. Le problème, c'est la France. C'est la France qui est envahie. Moi, je ne veux pas faire une vidéo contre l'Algérie. Demain, ce serait des MNA marocains. Je serai aussi sévère et tranchant. Parce que le problème, ce n'est pas l'origine. Le problème, c'est les enfants qui meurent. Des gens qui meurent en France aujourd'hui. Des enfants qui meurent parce que la France est un pays en train d'être colonisé. Ils sont assassinés aux mains d'étrangers, par des étrangers qui n'ont rien à voir sur le sol français. C'est un crime colonial qui s'inscrit dans un repeuplement de la France. Combien y a-t-il de millions de Maghrébins en France? Le président algérien parle de 6 millions d'Algériens. Les consulats algériens parlent de, je ne sais plus, de 4 millions. Vous rendez compte? Il n'y a jamais eu 4 millions de pieds noirs en Algérie, hein, ni au Maroc. C'est un crime colonial parce qu'il rappelle évidemment l'insécurité de l'indigène. Vous savez, les Algériens en Algérie, ils vivaient le même calvaire que les Français de France aujourd'hui. C'était le mauvais regard. Parfois, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, si le colon était mal élevé, mal éduqué, mal luné, il s'est mal réveillé, il pouvait te casser la gueule, il ne lui arrivait rien. Les crimes des compagnies concessionnaires du Congo, du Gabon dans les années 1920-30, ces crimes dénoncés par André Gide et par Albert Londres, c'était ça. Hein. C'était un blanc, il y avait un capitaine qui s'appelait Petit
ou gentil, au Gabon. À l'époque, c'était, je crois, le Congo encore. Peu importe. Dans cette partie-là de l'Afrique, c'était l'Afrique, l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Ce capitaine-là, gentil, s'il estimait que le noir ne lui avait pas fait le salut, ou voilà, le salut à temps, il le rossait, lui et avec ses hommes de main. Bah, c'est le lynchage qui a lieu aujourd'hui dans le métro parisien, pour le mauvais regard. Voilà, c'est une situation coloniale. Lola, elle est morte pour cette colonisation de la France. Très bien. Dans toute colonisation, il y a bien sûr les collabos. Vous avez votre régime français, vos partis politiques sont des collabos de cette force d'occupation. On n'a pas besoin de tanks et de chars et d'une déclaration de guerre pour coloniser un pays. La France est un pays en voie de colonisation. Et toute colonisation doit être combattue. C'est quand même le béaba des choses. Enfin, je pense que nous sommes d'accord. Nous sommes contre la colonisation du Maghreb par la France. Nous sommes contre la colonisation de l'Afrique par la France ou la Grande-Bretagne ou je ne sais quelle. Et nous sommes contre la colonisation de la France. La morale ne souffre pas la sélectivité. Il n'y a pas d'indignation sélective. On est contre la colonisation d'une manière absolue. Même quand ce sont les Français de souche qui sont les victimes. Voilà, je vous dis que c'est un crime politique. Pour la troisième raison pour laquelle il s'agit d'un crime politique, c'est un crime qui est commis par l'État français, l'establishment français. Ces personnes-là qui sont mises en cause, ce sont des exécutants. Ce sont des exécutants. Elles participent à une politique de maltraitance de la France. Il faut bien comprendre qu'en France, il y a eu un déclic. Je ne sais pas à quel moment il a eu lieu. En 74, avec le regroupement familial, en 81, avec l'arrivée de Mitterrand, je ne sais pas. En tout cas, depuis 30 ans, 40 ans, l'État n'est plus la nounou des Français. Ce n'est plus le Père Noël. L'État maltraite les gens. Mais comme il n'a pas le courage de les maltraiter ouvertement, enfin, grâce à Macron, maintenant l'État est décomplexé. Maintenant, il éborgne les Français, il les ampute. Souvenez-vous des Gilets jaunes. Merci, Monsieur Castaner et Monsieur Darmanin. L'État français, aujourd'hui, il a délégué la maltraitance aux immigrés, à certains immigrés, à ces sauvages-là. Parce que pour te casser la gueule, soit je me salis les mains, je te casse la gueule, ça donne les Gilets jaunes. La police française, de souche, ampute les Français. C'était ça, les Gilets jaunes. Soit je le fais de manière avec des proxys, ce qu'on appelle une guerre froide, une guerre par proxy. Je t'envoie mes agents de main, mes hommes de main. Voilà, je t'envoie les immigrés clandestins. Ah, on dit c'est un Tchétchène, ah, le pauvre Samuel Paty, il est mort. Non, qui a tué Samuel Paty? C'est un Tchétchène qui est l'exécutant, l'homme de main du régime. La laïcité a été décapitée à Conflans-Sainte-Honorine en 2020, j'allais dire sur ordre de l'État français. Ce Tchétchène n'est pas arrivé en France par hasard. La France, ce n'est pas Bagdad, ce n'est pas l'Irak. Le pays n'a pas été envoyé par l'OTAN. La France a amené ces gens-là. Et quand ils sont rentrés par effraction, on les a payés pour y rester. Je vais en parler. D'accord? Donc, ces sauvages-là qui ont tué Lola, ils travaillent pour l'État français, qui les paye bien d'ailleurs. L'État français les paye bien. Ces gens-là sont logés certainement gratuitement, ils sont nourris avec la CAF et les allocations, ils vont à l'hôpital alors qu'ils ne cotisent pas en France, et leurs grands-parents n'ont pas cotisé en France, ils sont en Algérie. Ils profitent de votre ville lumière, la ville enfer. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont payés par l'État français pour maltraiter ce peuple, parce qu'il faut casser le peuple de France. Il faut casser dans le plan, dans le master plan, pour parler comme Bruno Le Maire, dans le master plan, dans le planning, dans l'agenda des élites dépravées qui nous gouvernent, il faut casser le peuple français. Il faut casser le moral du peuple français pour lui faire admettre la réforme des retraites. La réforme des retraites, elle va passer là. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans que les Français se font humilier, se font casser la gueule. Parce que je vais aller au fond des choses. Quand on te tue ta fille chez toi, dans ton immeuble, ce qui s'est passé avec Lola, toi, le père ou la mère, tu es dévitalisé. Tu es mort déjà, vivant. Et en plus, tu n'es plus utile. Tu perds ton utilité. Parce que quelle est l'utilité d'un parent? Père 1, parent 1, parent 2, pour parler comme Sandrine Rousseau. Quelle est son utilité? Protéger sa progéniture. Là, ces quatre sauvages ont démontré aux parents de la pauvre Lola qu'ils ne servent à rien. Ils ne peuvent pas protéger leur fille. Ce crime-là existe tous les jours en France, à des degrés divers. Le lynchage à Bayonne, du chauffeur, enfin bon. À chaque fois qu'un Français ou une Française est agressé par un immigré clandestin,
c'est l'homme français qui est détruit parce qu'on lui dit tu ne protèges pas ta femme, ta sœur dans le bus qui est insulté par un tchétchène ou je ne sais quoi. C'est l'homme français, c'est la femme française qui est rabaissée au rang d'une victime. Une femme dans un pays, c'est quelque chose de elle est sur un piédestal. Même dans un pays musulman, la femme, elle est cloîtrée, mais elle est sur un piédestal, dans le sens où le hurma, l'honneur. Là, le peuple français n'a plus de hurma, n'a plus d'honneur. On viole vos femmes, on martyrise vos enfants au collège, on les lynche, on les frappe. Pourquoi? C'est l'État qui veut ça, l'establishment qui a pris le contrôle de l'État, parce que l'État est une bête au sang-froid. L'État, il obéit, vous savez, la police française ou la gendarmerie, elle obéit, hein. Sous Vichy, elle a obéi aux ordres. Elle n'applique pas la loi. Les polices n'appliquent pas la loi, les polices obéissent aux ordres, d'accord. Donc, et même le corps de la magistrature, sous Vichy, à 99,99%, il a collaboré, il a obéi à Pétain, d'accord. Rares ont été les magistrats ou les commissaires de police, ou les colonels de gendarmerie qui ont résisté, voilà. Donc, vous avez ce déchaînement de l'establishment sur le peuple à travers cette immigration. Je ne mets pas tous les immigrés dans le même sac. Ce sont ces sauvages-là du 19e arrondissement qui ont tué cette fille. Ce sont de la chair à canon. Ce sont dans un sens des victimes, au sens, disons, rhétorique du terme. Ce sont des victimes. Ce sont de la chair à canon. Voilà. Travaillent sur commande. Ils sont à la limite pas très cher payés pour le service rendu à l'État français. Parce que l'État français, les élites qui l'ont pris en compte, qui l'ont pris en main, sont en train de transformer les Français en un sous-peuple. En un sous-peuple. Qu'est-ce qu'un sous-peuple? C'est un peuple qui est impuissant. Le peuple français est détruit moralement. Il subit une guerre psychologique. C'est une guerre politique. Tu n'as pas besoin de Panzerdivision à Paris. Tu n'as pas besoin de bombarder la France avec des missiles pour la détruire. Le peuple est en train d'être détruit. La délinquance a un rôle politique. Le voyou est un agent politique. Ce n'est pas un fou, ce n'est pas un déséquilibré et ce n'est certainement pas un marginal. Il est dans le système. Il est dans le système. Et ça, il faut bien le comprendre. Voilà, donc un crime politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a dit, après ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut résister. Il faut résister, qui que vous soyez. Français de souche, français de branche, étranger. Parce que face à ce crime-là, on ne peut pas être passif. Il n'y a plus de neutralité possible. Quand tu tues des enfants en plein Paris, il n'y a plus de neutralité possible. C'est fini. Là, on sort des livres. Hein. Vous savez, les carnets de notes. On oublie tout ça. Le peuple de France, le peuple de souche, doit dire « White lives matter ». Les vies blanches sont importantes. Là, on a eu le délire Black Lives Matter. Là, il faut dire maintenant White Lives Matter. Après tout, ce n'est que le béaba. Toutes les vies sont importantes, notamment la vie de Lola. Donc, il faut bloquer le pays. Comme on a bloqué le pays pour George Floyd, qui n'est même pas français. Il faut s'agenouiller pour Lola. Voilà. Il faut résister. Personne n'en veut au peuple algérien d'avoir résisté à la France. Personne n'en veut aux Marocains de s'être rebellé contre la France. Oui, c'est le droit des peuples à l'autodétermination, à disposer d'eux-mêmes. C'est la légitime défense. Personne ne vous en voudra. Évidemment, vous allez aller en tôle, mais c'est normal. Vous croyez que les Algériens ne sont pas allés en tôle? Ils n'ont pas été déplacés. Il y a eu 2 millions d'Algériens déplacés par l'armée française, de 54 à 62. 2 millions. Ce qu'on appelait la politique des villages modèles. On les a mis dans des villages, enfermés par des barbelés, loin de leur terre, de leur troupeau. Ils ont payé le prix. C'est comme ça. Comment on résiste à la colonisation? Par la résistance mentale, politique, idéologique et, voilà, à la limite, armée. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ils viennent, ils prennent vos enfants, ils les tuent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Nos amis français de branche ou étrangers doivent aussi s'indigner et dénoncer cette colonisation. Ça sert à rien d'aller embêter les Chinois par rapport aux Ouïghours. C'est très facile d'aller insulter les Chinois, leur dire qu'ils maltraitent les Ouïghours. Ou d'aller embêter les Birmans parce qu'ils maltraitent les Rohingyas. Les Ouïghours aujourd'hui sont à Paris, c'est Lola. Les Rohingyas aujourd'hui sont à Paris, c'est Lola. Je sais que c'est gênant, je sais que ces musulmans-là, je dis Marocains, Algériens, Tunisiens, on s'en fiche.
sénégalais, tout ça. Je sais que ça nous met en cause, nous. En fait, ça peut nous mettre en cause, ça pourrait, mais en fait, nous sommes innocents. Moi, je suis pas solidaire de ces sauvages-là du 19e. Si ils seraient marocains, je ne serais pas solidaire d'eux. Parce que moi, je ne suis pas un sauvage. Il n'y a pas d'esprit de. Il ne faut pas qu'on soit communautaire. Et puis, il y a Dieu. Il y a le jugement dernier. Dieu va te dire demain, toi le musulman, qu'est-ce que tu as fait devant le Monkar? C'est quoi le Monkar? L'illicite. Qu'est-ce que tu as fait devant le meurtre de Lola? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as regardé du côté des Rohingyas. Tu as regardé du côté des Birmans, des Ouïghours. Ah, tu t'es indigné par rapport au sort des pauvres Ukrainiens. Mais les Ukrainiens, ils sont à Paris. Paris, c'est Kiev. Paris, c'est, je sais pas quoi là, Kherson. Le Donbass, il est à Paris. Donc, il est hors de question que nous soyons, nous, les musulmans de France, de branche, d'étrangers, ce que vous voulez, troisième, quatrième génération, qu'on se taise. Même si on nous traitera d'arabes de service. Et alors? Et alors? Tu crois qu'il n'y a pas eu de. En Algérie, il n'y a pas eu de pieds noirs pro-musulmans? Il n'y a pas eu de. Tous les pieds noirs étaient avec l'OAS? Non. Il y a des pieds noirs qui ont été égorgés, tués par l'OAS. Il y a des pieds noirs ou des Français de métropole qui ont dénoncé l'Algérie française. Au Maroc, plusieurs Français ont pris le parti des Marocains pendant la colonisation. Certains ont été tués, comme le fondateur des Huiles Le Sieur à Casablanca. Ils lui ont tiré une balle dans la tête. Qui? Les milices coloniales françaises. Voilà. Voilà. C'est sûr qu'on s'expose, on expose nos vies. Mais c'est Dieu, c'est le jugement dernier. Et puis c'est comment on peut se regarder dans une glace quand on se tait sur ça. Et je vous dis, ce serait un phénomène isolé. On ne ferait pas cette vidéo. Nous savons très bien, je vous le dis, nous sommes issus de populations criminogènes en France. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, nous ne sommes pas criminogènes. Pourquoi? Parce qu'il y a une gouvernance, gouverner d'une telle manière que notre part sombre, notre côté obscur, ne s'exprime pas. Malheureusement, en France, ou heureusement pour les Français, parce qu'à la limite, les Français vivent en démocratie, pas nous. En France, il y a trop de liberté, bon, il y a un cadre qui fait que qu'on n'est pas adapté. Je parle des grandes masses, hein, je parle pas des. Et puis il y a la diversité, il y a le contact des races, des civilisations, il crée le conflit. Si nos grands-parents ont souffert du colonialisme au Maroc, en Algérie, eh bien, parce qu'il y a eu le contact des civilisations, eh bien, les Français souffrent aujourd'hui. C'est la même mécanique, c'est les lois de la physique, si vous voulez. Dès que tu mets en place deux peuples différents, il y a une concurrence. Et les voyous font le job. Les voyous rabaissent le peuple qu'il faut être rabaissé. Les Français, aujourd'hui, sont les Amérindiens de l'Europe. On est en 1492. Les Français sont en danger. Ils vont perdre le pays. Alors, ils ne vont pas disparaître. Ils vont devenir comme les Péruviens. Tu vas au Pérou, tu vois des gens, m'excuse pour les amis de Lima, tu vois, ou là, en Bolivie, tu vois des gens placides, remplacés. Alors, le Pérou est un pays amérindien en grande partie, mais le pouvoir, il n'est pas chez les Indiens. Et même les Amérindiens sont tristes, ils sont remplacés. C'est le sort des Français. Vous voulez être complice de ça? Pas moi. Comme je ne voudrais pas être complice du remplacement du Maroc par la France. Moi, dans les années 50, je serais anti-français. Dans les années 50, je serais dans le maquis. Je serais algérien dans les années 50, je serais avec le FLN. Il y a le bien et le mal sont bien définis. Il n'y a que notre lâcheté. La lâcheté des Français qui ne veulent pas défendre leur pays. Ils défendent les Ukrainiens au lieu de défendre leur pays. Ils défendent les Indiens de l'Amazonie au lieu de défendre Lola. Ce sont des lâches. Pas tous les Français, mais ceux qui défendent l'Ukraine sans parler de Lola, ceux qui défendent l'Amazonie brésilienne sans s'occuper de Lola sont des lâches. Ce sont des lâches. Et il y a des lâches chez nous, les immigrés, les Français de branche. Qui ne veulent pas appeler un chat, qui regarde ailleurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. On est arrivé à la limite de la limite, là. On ne peut pas continuer à. Ce n'est pas un discours de droite et de gauche, c'est de l'humanisme. C'est de l'humanisme. C'est de l'humanisme. Et je vais vous dire mon sentiment pour conclure, il ne se passera rien. De pire, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Vous savez pourquoi il ne se passera rien? Parce que même en Algérie, au Maroc, il s'est passé des Lola, des mains des Français pendant la colonisation. Il ne s'est rien passé. Le peuple est passif jusqu'au jour où une élite prend les armes. Et les armes idéologiques et les armes matérielles.
Au Maroc, c'était l'Istiqlal et les Berbères. Dans les années 30, ils ont utilisé les mosquées comme des écoles de formation idéologique contre la France, des écoles du nationalisme. Et après 45, ils ont pris les armes, et les Berbères aussi. Les attentats, tout ça. Et le peuple, il a suivi. Et en Algérie, c'est pareil. Il a fallu attendre le FLN qui a pris les armes, malgré tous ses défauts. Je les cite volontiers. C'est une machine à tuer, le FLN. C'était. Il a fallu que le FLN prenne les armes pour que le peuple bouge. Et encore, il a mis du temps à bouger. Voilà, le peuple français, c'est la même chose. Le peuple français, ce sont les Algériens des années 50, les Marocains des années 50. Ils attendent qu'une poignée de révolutionnaires prennent le pouvoir. Au Maroc, c'était les élites des villes avec les campagnes, les Berbères. C'était hybride. En Algérie, c'était le peuple, le prolétariat. Parce que Karim Belkacem, Mohamed Boudiaf, Boumdiane, Ben Bella, Amirouche, j'en oublie, Haïdar, je crois, c'était des gens du peuple. C'était pas des nantis de c'était pas des professeurs de religion ou des bourgeois. Bon, voilà. Voilà ce que je pense vraiment. Le crime, le pire, Lola est morte pour rien. Lola est morte pour rien. Bon. Je vous dis à demain. Je peux pas dire autre chose de plus.